Commencer. Bienvenue à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je me présente, Laurence Manahem. Je suis directeur de compte sur notre équipe de ARC, Architecture, Ingénierie et Construction. On a aussi avec nous aujourd'hui notre spécialiste d'application pour Revit et les outils CTC, Keith Sonwin. Et on parle aujourd'hui de l'utilisation de Excel avec Revit, afin de pouvoir faire des tâches plus complexes qui ne fonctionnent pas directement dans Revit. Et on peut toujours utiliser les outils CTC. C'est un outil d'automatisation. Mais ça nous permet aussi, avec un des outils qu'on va voir aujourd'hui, d'utiliser Excel avec Revit. Je vais aussi juste mentionner rapidement pour la fenêtre de chat, la fonctionnalité de chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les mentionner dans la fenêtre de chat. Et on pourrait toujours adresser toutes les questions après le webinaire. Ça va être aussi enregistré et vous allez recevoir par la suite un courriel avec l'enregistrement. Donc avec ça, je passe la parole à M. Kisson. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La première question que je vais vous poser, est-ce que vous voyez tous et vous m'entendez tous bien, est-ce que vous voyez ma présentation PowerPoint actuellement? Oui. Bon. Bon, je me présente. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur comment on peut lier le fichier Excel avec Revit. On va parler en particulier d'un outil. C'est un outil dans les suites CTC. Et ça va être celui qu'on va appeler Spreadsheet Link. Je vais me présenter pour ceux qui ne connaissent pas, les gens qui sont ici. Je crois que Rock, je te connais et on a déjà parlé ensemble. Je suis un consultant technique chez SolidCAD. Ça fait approximativement 8 ans que je suis là. Je suis un architecte de profession. Excusez-moi, il y a une alerte Lambert qui vient de partir, je crois. Je savais ça. Oui, je suis un architecte de profession. J'ai gradué en 1998 à l'Université Laval. J'utilise Revit depuis 2003. C'est-à-dire, ça fait une vingtaine d'années que je l'utilise. Et j'enseigne Revit autant en architecture, en mécanique du bâtiment, en structure, et autant chez les professionnels, ingénieurs, architectes, entrepreneurs généraux et même les sous-traitants. J'enseigne le Revit et tout ce qui est le BIM en tant que tel. Je vais faire ça bref pour la suite. Je vais vous parler un peu de l'entreprise. Bon, l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Bon, oui, on fait beaucoup d'implantations. On fait tous ces services-là. Je ne ferai pas le tour, mais pour ceux qui sont intéressés, du scan, on fait de la formation et plusieurs autres disciplines et on fait aussi du support technique. On est aussi situé un peu partout au Canada. C'est que l'avantage, c'est qu'on peut avoir des services et de la formation et du support partout au Canada dans les deux langues, puisqu'on fait de S en Ouest. Vous avez trois heures de support supplémentaire que vous pouvez avoir. Aussi, si vous faites affaire avec nous, bien, il y a une partie du support technique qui est gratuit sur certains éléments. Et voici la liste un peu de nos partenaires. On vous connaissez TEDx, Matterport, tout ça, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur CTC. Et les autres partenaires, on les présentera une autre fois. OK. Première des choses, CTC. Qu'est-ce que CTC? CTC, c'est une entreprise qui font des outils d'automatisation, de plusieurs types d'outils. Le BIM Project Suite qui est vraiment lié pour les utilisateurs. Le Manager Suite qui est pour les gestionnaires de projets. Le Batch Suite, en un mot, c'est pour la création de produits ou la création d'automatisation en lot. Il y a d'autres produits, il y a des configurateurs automatisés si vous faites du mobilier, vous faites qu'est-ce qu'on appelle du casework, mais il y a des programmeurs qui vont permettre de faire ça de façon automatisée, la création de façon automatisée. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a qu'est-ce qu'on appelle Hive. Hive, c'est un produit, c'est une bibliothèque centralisée sur le cloud, dans lequel vous pouvez faire des recherches et vous pouvez mettre toutes vos familles, vos projets, vos éléments et ça permet une meilleure gestion des produits
Et pour ceux qui ne connaissent pas aussi, il y a un autre produit qui s'appelle le MEPP3. Le MEPP3, c'est un super gabarit de mécanique du bâtiment dans lequel tout est déjà prépensé. Les calculs sont pensés, les sous-projets sont faits, tout est déjà fait à l'intérieur de ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les trois produits et je vais me concentrer sur un. La première des choses qu'on va faire, c'est de bien comprendre la différence entre qu'est-ce qui est des produits gratuits et les produits à licence. Si vous regardez ça actuellement, dans les trois produits, vous allez tout voir dans la Batch Suite ici qui est en mauve, en bleu ici qui est la suite qui est Manager Suite, qui est la gestion de projet. Et nous, sur laquelle on va se concentrer, la suite verte qui est le CTC BIM Project Suite. Vous allez remarquer qu'il y a toujours deux couleurs ici. Il y a les couleurs qui sont en foncé et il y a les couleurs qui sont en pâle. Les couleurs en pâle, c'est les outils qui sont gratuits. Quand vous allez installer les produits, vous allez toujours avoir un délai de 14 jours qui va vous permettre d'utiliser tous les produits. Une fois que ces produits-là sont utilisés, et si vous ne faites pas l'achat des produits, les produits qui sont en pâle vont toujours rester gratuits pour vous. J'ai déjà fait une présentation antérieurement des produits gratuits et comment ils pouvaient vous aider. Et si vous avez de l'intérêt pour ça, je pourrais vous en parler plus tard ou juste m'écrire et on va vous rediriger vers ces produits. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler aujourd'hui de l'outil qui s'appelle Spreadsheetly. Bien que Revit, c'est un super bon outil, la problématique avec Revit, c'est que on a de la donnée qui est à l'intérieur. Et quand cette donnée-là est à l'intérieur actuellement, il est difficile pour nous de pouvoir rentrer la nouvelle information. La seule façon de rentrer cette information-là, c'est de la rentrer manuellement à partir des fermiers ou à partir des nomenclatures. Et c'est très difficile aussi de gérer beaucoup de données. C'est pourquoi qu'à partir de Spreadsheet Link et qui va être lié à une feuille de calcul ou à une feuille Excel, on va pouvoir faire ça de façon bidirectionnelle. C'est-à-dire, la donnée qui est à l'intérieur de Revit, on peut la sortir sur Excel et de Excel, on va pouvoir la prendre et la repousser dans Revit pour faire ces changements. Comme vous le savez, il y a quatre façons de faire ça. C'est que de Revit, on peut juste exporter les nomenclatures, c'est-à-dire on le fait juste dans un sens. On ne peut pas le rentrer, l'information à l'intérieur de Revit par la suite. Par la suite, on va utiliser une application. C'est ça qu'on va faire comme démonstration. L'application qu'on va utiliser, c'est l'outil CTC et Spreadsheet Link, où on va écrire sa macro, où on fait des scripts Dynamo pour faire ça. Dans ces solutions-là, il y a quelques problématiques. Bien que les nomenclatures, actuellement, vous savez que les nomenclatures, toutes les données, les informations sont là, mais il est très difficile actuellement, à partir de ces données-là, de remplir ça de façon, on va dire, optimisée de façon facile. Il n'est pas possible de faire du copier-coller pour rentrer tout manuellement dans chacun des champs. Vous allez pouvoir peut-être me dire ici, on peut utiliser ici qu'est-ce qu'on appelle des key schedules ou en français des tableaux de valeur. Oui, on peut l'utiliser pour remplir de façon efficace les tableaux, mais la gestion de ces tableaux-là, de ces schedules-là, est un peu moins pratique. C'est-à-dire qu'il va falloir changer les valeurs pour être sûr et certain que tout fonctionne. Il y a d'autres affaires qui sont difficiles aussi, c'est que dans Revit, quand on travaille, Revit n'accepte pas les associations de formules. Qu'est-ce qu'on dit ici en tant que tel? C'est que quand Revit, on utilise une cellule, cette cellule-là utilise une unité de mesure. Quand les unités de mesure ne coordonneront pas, il ne sera pas possible de faire ces calculs-là. Spreadsheet Link va nous permettre de faire ça. Oui, dans Revit, on peut le faire d'une autre façon, mais il faudrait modifier les formules en tant que telles. Et il est aussi impossible d'intégrer des valeurs et de les changer entre plusieurs catégorie dans Revit, mais dans Spreadsheet Link, il va être possible de faire cela. Je vais faire ça rapidement pour sauter à la période de démonstration. Les avantages quand on va utiliser Spreadsheet Link, c'est qu'on peut avoir une personne qui est non technique pour faire la tâche, c'est-à-dire la donnée elle peut être utilisée et remplie d'un fichier Excel, c'est-à-dire peu importe qui, dès que la personne connaît Excel, peut rentrer la donnée, c'est-à-dire ça peut être l'adjoint administratif qui peut prendre ça, remplir l'information
cette information-là est remplie dans Excel et on pousse l'information d'Excel directement à Revit pour compléter les données et qui va mettre à jour la maquette. L'autre avantage, c'est pour faire cela, la personne qui va remplir ça n'a pas besoin d'une licence Revit et ça va nous permettre aussi d'automatiser certaines tâches. C'est-à-dire, on pourrait remplir des fichiers Excel et la prochaine fois qu'on rouvre Revit, automatiquement, toutes les données seront à jour. Les solutions possibles. Ah, ça, je l'ai déjà passé. Et il nous reste ici les solutions. Spreadsheet Link. Bon, comme je vous l'ai dit, ça fonctionne avec Excel, avec une interface, avec toutes ses fonctionnalités. C'est-à-dire, je peux fonctionner avec Spreadsheet Link directement dans Revit ou que je l'utilise avec un fichier Excel. Aussi, les formules peuvent s'écrire d'un paramètre à l'autre, peuvent être modifiables en utilisant les valeurs dans les paramètres. Et on peut lier ça avec tous les types de catégories. Aujourd'hui, dans les objectifs d'apprentissage, qu'est-ce qui va se passer? On va parler comment on accède à Spreadsheet Link, l'introduction à l'interface, comment qu'on va manipuler les données de façon facile et détaillée et comment qu'on va définir des paramètres de sauvegarde pour être capable de réutiliser ces éléments-là dans votre processus de travail. On va maintenant aller à la démo. Je rouvre Revit et je vais y aller de façon ici. Je vais rouvrir le projet qui est le suivant et je vais vous donner un exemple. Je suis au niveau suivant. Et j'ai fait sortir les informations suivantes. Vous comprenez que ici, dans chacune des cellules, si je regarde ici mon tableau de pièces, j'ai chacun des cellules et pour être capable de remplir ou de compléter ces éléments-là, actuellement, je n'ai pas le choix de passer manuellement, de dire que ça, le bureau fait partie, partie de tel département, on va dire que ça, c'est le département scolaire, peu importe le département, et je dois toutes les remplir de façon manuelle. Les finis aussi, je ne peux pas les compléter, je ne peux pas faire du copier-coller, je dois y aller de façon individuelle, je ne peux pas sélectionner une ligne au complet, de copier ça, dire que ça, c'est le département A. Et dans le département A, c'est du bois et que le fini, c'est la couleur 2234. Je ne peux pas prendre ça et décider de faire un copier-coller, c'est-à-dire je suis obligé manuellement de faire le tour. C'est-à-dire qu'est-ce pour pallier à ça? Ici, vous allez voir, ici en haut, il y a l'outil. Ici, dans les tabulations, il y a ici, qu'est-ce qui s'appelle CTC Software. À l'intérieur de CTC Software, ici, on peut regarder l'information suivante. Regardez, j'ai l'information suivante. Je pars ici, qu'est-ce qu'on appelle ici, le Spreadsheet Link. Si vous regardez dans Spreadsheet Link, il y a plusieurs façons de regarder ça. Je pourrais regarder ici, faire une nomenclature. C'est comme refaire ma propre nomenclature à l'intérieur de Spreadsheet Link. C'est-à-dire, je pourrais dire ici, je cherche ici en architecture, je cherche mes rooms et je pourrais automatiquement, dans mes rooms ici, sortir exactement les mêmes informations. C'est-à-dire, il voit actuellement toutes mes pièces. Pour qu'on puisse le voir en double. Si vous voyez ici, l'information que j'ai ici, c'est la même information qu'on retrouve ici en haut. Si je rentre, je décide que je veux voir le nom, les pièces. J'ai juste à choisir ici dans les paramètres, je vais chercher son nom. Et je vais chercher ici son nom et son numéro, qui sont marqués ici.
Je m'en viens ici. Je vais chercher qu'est-ce qu'on appelle son paramètre, qui sont numéro, son number. Automatiquement, j'ai ces informations-là. Ces informations-là, vous allez voir, ils sont intimement liés. Que je le change ici, si je le change ici et je décide que le bureau 1 devient le bureau 120, automatiquement, que je fais appliquer le changement, vous allez voir que le changement se fait automatiquement. Le fichier Excel est intimement lié à celle-ci. C'est-à-dire, je pourrais partir, comme je vous ai montré, de cette façon-là, de monter mes propres nomenclatures et de compléter l'information ici. Ou je pourrais y aller d'une autre façon plus simple, c'est-à-dire au lieu de y aller de cette façon-là avec mes catégories, je peux y aller de façon avec mes catégories comme vous le voyez ici. Je pourrais y aller seulement avec mes paramètres de type, c'est-à-dire le premier ici, c'est juste dans catégorie, c'est juste mes paramètres d'occurrence. Dans type, c'est juste des paramètres de type qui sont liés, ou je peux y aller automatiquement ici avec mes nomenclatures qui sont déjà présentes. Choisis la nomenclature présente, je double-clique et automatiquement, elle me crée mon tableau et j'ai juste à compléter ça. Vous allez voir ici aussi que dans la liste, il y a des paramètres qui sont ici qui ne sont pas présents quand on travaille dans Revit. Il y a certains paramètres qui sont supplémentaires qu'on peut utiliser ici pour différents types d'exercices ou différentes fonctions qu'on peut utiliser ici dans Revit. Si on continue ça, l'avantage de travailler ici, c'est qu'on peut faire du copy-paste, comme dans Excel, c'est-à-dire, il est possible de faire ici. Copy, paste. On pourrait aussi prendre les éléments et les copier de même. C'est-à-dire, on fait les suites complètes. L'avantage ici, c'est qu'ici, à l'intérieur, ici, le fini, si on veut prendre le même fini, on veut le compléter avec des formules mathématiques. Ici, je vais pouvoir, ici, quand on va faire des calculs, ici, tantôt, je vais vous montrer, je vais cliquer sur cet élément-là et je vais pouvoir répéter la formule pour toutes les cellules. C'est-à-dire, si je complète ça et je rentre de l'information, peu importe quoi, vous comprenez que je peux compléter ça, faire du copy-paste, mettre de l'information ici et automatiquement que je fais ça, j'ai juste à appliquer l'élément, ces changements-là et automatiquement que j'applique ces changements-là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit log qui m'indique, regardez, voici les éléments qui ont été changés, ceux qui ont été non inchangés, est-ce qu'il y en a qui ont été créés, qui ont été supprimés? Tout ça. Et si je regarde ça, il m'est possible de voir un petit log et voir les changements. Vous allez voir aussi qu'ici, dans le tableau, il est possible d'avoir les ID uniques de chacune des entités ou des familles pour être capable de les retracer dans Revit. Je peux le faire de cette façon-là. Ou l'autre façon aussi qui est possible de faire, c'est de cliquer ici, de sauvegarder notre fichier, c'est-à-dire je vais aller ici, ici, ici dans mon exercice, et je pourrais dire ici, faire cela et sauvegarder mes pièces. Automatiquement que je sauvegarde ces pièces-là. Vous comprenez que l'information est ici et je suis maintenant dans un fichier Excel et je pourrais sauvegarder ce fichier Excel-là, faire des changements. J'ai toutes les fonctionnalités Excel. C'est-à-dire quelqu'un qui est non technique, qui n'a pas de licence de Revit, pourrait venir ici. Compléter ça, compléter les informations, sauvegarder le fichier. Une fois que ce fichier-là est sauvegardé, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est que vous avez juste à ouvrir ce fichier-là
et dire, bon, ben, voici mon élément, je rentre, voici mes changements, applique mes changements à mon projet. Automatiquement, j'ai encore mon historique, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Et tout a été complété ici. Et des façons. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une autre démonstration. Au lieu de commencer de tout faire ça de façon manuelle, on pourrait aussi charger des éléments. Je pourrais dire, bon, mais chargeons un fichier et dans mes fichiers, comment que c'est déjà monté. Et ça va être pour mon exemple de structure tantôt que j'ai utilisé. Maintenant, je vais faire aussi comment qu'on pourrait faire des calculs à l'intérieur ici de Excel et comment qu'on pourrait calculer et modifier ces éléments. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Comme exercice, je vais juste dupliquer cette nomenclature-là. Je vais faire une nomenclature de pièces. Et là, je vais dire ici, validation superficie. Dans la validation de superficie, on va avoir besoin du nom des pièces, leur numéro. Je vais ici numéro et nom et je vais aller chercher la superficie. Et ici, je vais juste la descendre légèrement. Et je vais prendre une nouvelle que je ne vais pas dire que c'est la superficie requise ou la superficie du client. Je vais créer ça. La superficie. C'est un instant, je vais mettre ça. Ça va être une superficie et je vais mettre ça dans haut pour l'instant. Et on va se faire une formule mathématique. Je vais la faire à l'intérieur ici et je vais la faire aussi dans le spreadsheet link. Je vais vous montrer les différences. C'est-à-dire à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais me créer une nouvelle formule mathématique et je vais dire ici validation qui est dans pourcentage, dans le 5%. Pour faire ça, la validation 5%, je vais créer ce qu'on appelle une formule qui va me donner un numéro et je vais juste faire la formule mathématique suivante, que ça va être la superficie du client, superficie moins la superficie du client. Je vais multiplier ça par ça et je vais diviser ça par la superficie du client. Alors, mathématiquement, ça va me créer une formule mathématique et ça va me remplir ça. C'est-à-dire, la façon de le faire dans Revit, ça serait ça. Puisque je n'ai pas les données du client, il faudrait que je rentre tout de façon manuelle. Je vais vous montrer comment on va prendre des superficies du client, de les mettre à l'intérieur de Revit à partir du spreadsheet link. Et je vais faire aussi des calculs ici pour que ça automatise l'information ici. C'est le même principe. Je vais ici dans CTC Software. Je m'en vais ici dans spreadsheet link. Et je vais dire ici, viens me chercher la nomenclature suivante, validation des superficies. Je vois l'information qui est là. C'est-à-dire, je pourrais dire ici, superficie du client, au lieu de rentrer, je pourrais les rentrer manuellement. Je pourrais dire ici, exemple, 25, 30, 25, 15, 30 et 35. Je pourrais les rentrer de cette façon-là. Ou je pourrais aussi utiliser tantôt, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser dans une formule Excel et je vais l'utiliser. C'est-à-dire, il y a cette façon-là que je préfère,
je pourrais appliquer ça et automatiquement, ça ferait les changements. En faisant les changements, ici, vous voyez, les formules sont intégrées. Et pendant que c'est intégré ici, je pourrais même mettre une validation que si c'est en bas de 5, si c'est valable, c'est dans le 5%, alors mets-moi là en vert. Et si c'est hors du 5% plus ou moins négatif, mets-moi là, laisse-le en blanc. C'est-à-dire, je pourrais ici aller dans au niveau des formats et je pourrais dire dans la validation, je pourrais dire conditionnel, je pourrais dire si la valeur est entre moins 5 et plus 5, si je suis dans mes tolérances, alors mets l'envers. Je pourrais valider de cette façon-là. Ou je pourrais le faire directement dans Excel, comme je vous dis. C'est-à-dire, je pourrais faire, je pars mon Excel. Je retourne ici. Je prends une validation de superficie. J'ai mes informations. Je sauve ça. Et je l'appelle ici. Pièce validation que j'ai ici. Je vais faire ici pièce validation. On va faire ça. Et au lieu de rendre ces informations-là, je pourrais les avoir sur un autre fichier Excel. C'est-à-dire, je pourrais dire ça. Les informations sont à tel endroit. Je vais juste faire ici. Et je pourrais dire, regardez, je pourrais prendre un mot, je pourrais dire ici, ces informations, ça. Un mot, c'est qu'est-ce que je peux faire, c'est prendre ces informations-là et lier ces informations-là. Je dis que la cellule qui est ici, je fais ça et je vais chercher la valeur de la cellule suivante. Dire ici, actuellement, c'est qu'il va chercher la cellule suivante. Si j'ai bien monté ma cellule et j'ai fait bien mes liens avec les superficies de mon client, si eux modifient les valeurs, automatiquement, cette valeur-là est changée. C'est-à-dire, si cette valeur-là change, je sauvegarde mon tableau Excel qui est lié aux valeurs de ma clientèle. Je ferme ça. Et j'ai juste à ouvrir mon fichier qui est ma pièce validation. Je rouvre ça. Les valeurs sont là. Et je les applique. Automatiquement, les changements se font et automatiquement, vous voyez, les valeurs ont changé, c'est-à-dire la pièce qui était positive ici a changé. Actuellement, est-ce que certaines personnes ont des questions ou c'est assez clair? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, je vais vous répondre. C'est relativement clair? Je vais continuer ça. L'autre avantage ici, si je le fais avec d'une autre façon, je vais prendre un autre fichier que je vais faire. C'est-à-dire, si je veux faire mon autre calcul, mais au lieu de faire mon calcul à travers de Revit, je décide de le faire à travers de mon Excel. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, je pourrais rentrer ici dans ma validation, je vais juste me rentrer un champ. Une nouvelle cellule. Je vais l'appeler validation Excel. Et je vais dire que ça, c'est un numéro. C'est un instant, je vais le mettre dans autre. Automatiquement, vous comprenez, je pourrais faire mes formules ici. Mais au lieu de faire mes formules ici, je peux le faire directement de mon fichier Excel. Ici. Ça veut dire qu'est-ce qui va se faire? C'est qu'il n'y a pas de souci, je vais faire la même chose, je vais faire ici.
Spreadsheet Link à l'intérieur de Spreadsheet Link, je fais la même exercice. Je m'en viens chercher ici ma validation de superficie. Ici, vous voyez, ça serait, la formule serait la suivante. Si on fait la même chose, ça serait on irait chercher l'information suivante. Je vais chercher, j'écris une formule, ça serait la cellule suivante moins la cellule suivante que je mets entre parenthèses que je multiplie par 100 et que je divise par la cellule F4. Si je fais ça, vous voyez que j'ai une erreur parce que actuellement le problème c'est que j'ai des unités différentes et ils ne sont pas capables actuellement de chercher des valeurs parce que c'est des valeurs différentes. Dans ce temps-là ici, à partir de notre spreadsheet link, on peut dire si regardez cet élément-là, validation Excel. Maintenant, je la répète partout pour pas recommencer la valeur. Et ici, je dis aussi à l'intérieur de ça, va chercher et va cacher les unités. En faisant ça, ils vont être capables de calculer en enlevant toutes les unités. Ça veut dire, je vais juste refaire la formule. Je peux dire maintenant, la formule est, je trouve la parenthèse, ça moins ça, je ferme fois 100, je divise par l'élément suivant. C'est-à-dire quelqu'un qui est à l'aise avec Excel va facilement dire, bon, ben, je vais être capable de répéter ces éléments-là là, et j'ai les valeurs. Une fois que j'ai ces valeurs-là, je peux les appliquer directement dans mon projet. Une fois que je fais ça, je pourrais, si au lieu de recommencer à chaque fois comme j'ai fait tantôt, je ne peux pas faire ça, je pourrais dire si la prochaine fois que je veux faire ces calculs-là dans d'autres projets, je pourrais dire je sauvegarde dans un fichier mon, qu'est-ce qu'on appelle ici mon calcul, la validation des superficies. Et je pourrais les utiliser la prochaine fois au lieu de venir ici sélectionner. Dire je retourne ici. Et ici à l'intérieur, j'ai juste à dire ici, bon, on va changer au niveau des formats et de l'apparence. Cet élément-là, encore une fois, comment que je fonctionne? Format conditionnel entre moins 5 et plus 5. Mets-moi ça. Vert, si c'est valide. Et est-ce que ici, au niveau des formats, mais qu'est-ce que j'utilise? Une valeur générale, une unité fixe, je pourrais dire ici, puisque c'est un numéro, mais je pourrais dire que ça, exemple, c'est un numéro fixe et avec deux décimales. Et je serais capable d'avoir mes pourcentages, mes valeurs. Ce serait une façon facile. Actuellement, la question à Rock, on ne pourra pas insérer des valeurs, on ne peut pas insérer dans Excel. C'est-à-dire, la valeur, il faut qu'elle soit insérée ici et la valeur va être remplie dans Excel Rock. Je pourrais regarder si on ne peut pas. Parce que l'idée, c'est d'insérer des paramètres à partir de Revit et d'utiliser ces paramètres-là pour qu'ils soient liés ensemble. Si je continue ça, mais on est capable de faire ces calculs, faire ces changements, c'est-à-dire si on veut refaire, comme je vous ai dit, mais j'arrive ici la prochaine fois. Je rouvre ici au lieu de revenir ici, de choisir, mais je pourrais aller chercher automatiquement de mon fichier ma validation de superficie, et automatiquement, tout se fait et tout se remplit de façon automatisée comme ça. Vous voyez, c'est relativement facile et
Encore une fois, il y a plusieurs façons de travailler ici. Il serait possible aussi d'aller dans sauvegarder les fichiers, comme je vous disais tout à l'heure, un fichier, mais on a ici les modes avancés. Quand on avance ici, mais on pourrait dire, on sauve un fichier, on pourrait avoir des gabarits de calcul, utiliser ces gabarits-là, et quand on rouvre le fichier, mais automatiquement, il va aller chercher le gabarit, il pourrait pousser ça à l'intérieur de l'information, il pourrait updater notre Revit, ou on pourrait aussi lier qu'est-ce qu'on a ici à partir de l'autre fichier, à partir de qu'est-ce qu'on appelle le Spreadsheet Link Express. Le Spreadsheet Link Express, c'est l'équivalent d'un Spreadsheet Link, mais sans être obligé de faire tous ces changements-là ou toutes ces démarches-là. C'est le Spreadsheet Link Express. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire vous donnez le fichier Excel à quelqu'un, une personne de l'extérieur de votre entreprise qui doit le remplir. Vous savez qu'il est rempli. Ça veut dire au lieu de faire, je m'en vais ici, je pars mon fichier, je pars ma nomenclature, je fais ça. Je viens ici, je rouvre le fichier, du fichier, je fais appliquer pour que les changements se font. C'est qu'à partir de Spreadsheet Link Express, est possible de dire, bon, mais quand je pars le fichier, je pars le projet, va chercher ici le Spreadsheet Link Express et viens y appliquer ici l'autre des éléments suivants et applique tout de suite les changements au lieu de passer à travers. C'est juste que le Spreadsheet Link nous permet en tant que tel de faire une meilleure gestion de nos paramètres et ainsi de suite. Alors que le Spreadsheet Link Express, c'est-à-dire les paramètres sont déjà montés à l'intérieur d'un fichier Excel et ce fichier Excel-là peut par la suite être rempli de façon automatisée. Et si on voit encore plus loin, et je vais vous montrer un autre élément ici. J'ai un autre projet ici. Et si on y va encore vraiment plus loin, et si je trouve le Spreadsheet Link ici, je vais juste ouvrir la nomenclature qui est ici. Voyez ici, si vous êtes très habile, vous voyez le tableau ici, il est vide. Et ce tableau-là, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que quand je vais le remplir, je vais juste être sûr. C'est bon. Ici, au lieu d'arriver de même, je peux arriver ici et je peux lui dire, regardez, va chercher dans CT Software qui va remplir tout de suite Spreadsheet Link. Et je vais chercher ici. Va chercher d'un fichier. Et je vais aller ici sur mon C. Ici, je vais chercher des fichiers que j'ai ici qui sont déjà tous montés à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais faire le room plan. Ça, c'est le room finish ou le room planning data. Un mot, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est pas celui du fini, c'est le room planning, vous voyez automatiquement, ça remplit les informations à l'intérieur et ça va être capable de rentrer toutes les informations à l'intérieur de vos tableaux. Et ça va juste être room planning. Attends, je me suis trompé, donnez-moi 30 secondes, je me suis trompé de tableau. C'est les occupants. C'est ici pour calculer le nombre d'occupants. Je me suis trompé. Si je vais juste prendre lui, et automatiquement, en faisant ça, je vais pouvoir chercher ici dans Calculation. Je trouve ça et les calculs vont se faire de façon automatisée. Mais vous voyez aussi qu'il est possible de faire lier différentes valeurs, c'est-à-dire de notre tableau. Ici, si on regarde ça, je vais juste le faire aller. Et ici, vous voyez, en faisant ça, ça va remplir ici
nous occupant. C'est-à-dire, il y a des formules, des calculs qui vont faire mon calcul de façon automatisée et juste à l'appliquer, il va faire remplir mes tableaux. Okay? Et en plus, si vous êtes habile dans Excel, parce que vous voyez ici que dans certains cas, il y a des superficies qui sont manquantes. Et dans la formule ici, si vous le regardez, vous le remarquez bien, je vais juste le mettre en gros, on veut mettre des règles de condition. Si je rouvre un Word, vous pouvez le voir, la formule, et on peut le faire autant dans Revit que dans Excel. Je vous montre la formule. On met des règles de condition que si la valeur n'est pas bonne, on fait des arrondissements. Si la valeur est bonne, mais regarde, remplace-la par 1 ou par 0 pour qu'on n'ait plus les erreurs qui se sont faites. C'est-à-dire, vous pourriez voir ça dans Excel et dans Excel, si on va plus loin, là, ici, c'est toutes des règles de condition qu'on peut mettre dans Revit ou dans Excel pour automatiser certaines tâches. Je peux vous donner différents exemples qu'on pourrait utiliser pour utiliser Spreadsheet Link. Est-ce qu'il y a des gens ici qui travaillent en structure? Ou il n'y a personne qui travaille en structure ici? Mais si vous travaillez en structure, qu'est-ce qui serait? Oui. Amarek, regarde si tu travailles en structure, on pourra faire l'exemple suivant. Je ne sais pas actuellement, quand tu travailles, tu fais des colonnes. Comment tu fonctionnes quand tu veux mettre ton armature? Est-ce que tu dessines, tu modélises son armature? Comment fonctionne ton projet? Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que je peux faire un tableau de nomenclature. Si tu regardes bien ici, j'ai fait un tableau de nomenclature ici. Et si tu vois ici, j'ai toutes mes nomenclatures. Je pourrais dire ici la même chose. Je peux dire dans mon spreadsheet link. C'était Software, dans CTC Software, j'utilise Spreadsheet Link. J'utilise ma nomenclature. Voici ma liste, voici mes paramètres. Mais il est aussi possible ici de filtrer les éléments, c'est-à-dire, je pourrais dire ici, j'utilise un filtre qui l'associe à quoi, à un phase ou à pas, quel paramètre, je pourrais dire ici. Si que je l'utilise ici à l'intérieur ou que je l'utilise à l'intérieur ici, tu comprends? Je pourrais utiliser ici dans le filtre. Ici dans les filtres, je pourrais dire ici, j'ai fait un filtre et je vais dire si le filtre ici c'est égal structural class et je veux juste voir mon béton. Concrete. J'ai juste mes éléments de béton. À l'intérieur de mes éléments de béton, je peux mettre les niveaux en plus. Partir mon spreadsheet link. Donner cette nomenclature-là ou ce tableau Excel-là aux personnes qui doivent dessiner ou qui doivent modéliser cette information-là. Ils rentrent dans Excel, remplissent cette information-là. Automatiquement, que cette information-là est remplie, elle vient. Tirer un exemple. Automatiquement, cette information-là pourrait venir populer, même avec le contrôle. Populer la nomenclature en populant la nomenclature. Oups, cancel. Ici, j'ai une armature, c'était A1. C'est-à-dire, il pourrait populer la nomenclature. Une fois que la nomenclature est populée, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pouvoir prendre des étiquettes pour remplir l'information. Il y a plusieurs façons, au lieu de les dessiner, mais on pourrait demander à l'ingénieur, monsieur ingénieur, voici l'information. L'information est ici, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez compléter la feuille et qui va faire sauver du temps à tout le monde, c'est-à-dire qu'on va être deux personnes à travailler sur le même projet, mais de façon efficace.
J'ai fait le tour de pas mal de qu'est-ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions pour moi, que je puisse vous répondre. Qui sont une question, comment est-ce qu'on peut avoir ces outils? De où on peut les télécharger? Pour avoir accès à ces outils-là, vous allez sur le site suivant, sur ctcsoftware.com. À l'intérieur de CTC Software, vous savez ici le produit. À l'intérieur des produits ici, vous allez sur qu'est-ce qui s'appelle ici le BIM Project Suite. Dans le BIM Project Suite, ici, ça va vous expliquer, voici, j'ai le produit. Vous téléchargez ici l'essai de 14 jours. Pendant 14 jours, la barre d'outils et toutes les fonctionnalités que vous allez retrouver ici dans Revit vont être gratuites pour une période de 14 jours. À l'intérieur de ces 14 jours-là, tous les produits sont gratuits et à la fin, si vous décidez de ne pas acheter, bien, les outils gratuits ici ils vont être restés gratuits. C'est-à-dire, il y a des outils qui sont hyper intéressants ici. Detailing va vous permettre de lier en lot tous les détails CAD ou des images dans votre projet. Le Quick Select ici, c'est un autre outil qui est hyper intéressant. Si je suis dans un projet et je veux sélectionner, exemple, je vais regarder ici, exemple, je vais faire un nouveau projet. Je vais ouvrir un projet et je vous donne comme exemple ici, Ascend 2021. Architecture et je vais faire final. Je suis dans le projet. Et dans le projet ici, je veux sélectionner, exemple, toutes les portes qui ont un cadre d'acier ou un cadre de bois. C'est un peu difficile pour moi de pouvoir sélectionner ça. La seule façon de faire ça, c'est d'aller dans ma nomenclature, d'aller voir dans mes portes. Et dans mes portes, de trouver ici ceux qui sont en acier. Mais pour les trouver ici dans un plan, mais avec les outils CTC ici, mais j'ai juste à utiliser ici le Quick Select. Le Quick Select va me permettre ici automatiquement de dire ici dans mon vue active, viens maintenant sélectionner les portes avec Frame Material qui est égal à Frame Material, c'est ça. Et il va voir égal à une valeur et automatiquement, il va être capable de voir cette valeur-là. Il va être capable de sélectionner ces portes-là pour moi de façon automatique. Cet outil-là qui est gratuit, qui est hyper efficace. Il y a celui qui est Renumber, qui est-ce qu'il n'y a pas besoin de renommer des éléments. Mais pour renommer les éléments, vous comprenez que vous avez de passer un par-dessus l'autre. Et c'est un outil qui va vous permettre de renommer de façon efficace, d'aligner les vues. C'est tous des outils qui sont gratuits dans la barre d'outils qui est ici dans la suite qu'on appelle la Project Suite. Que vous avez d'autres questions? Qui sont, est-ce que les licences sont vendues en format réseau ou standalone? Comment ça fonctionne? Ça peut fonctionner de deux façons. Vous pouvez l'avoir en standalone ou vous pouvez l'avoir en réseau. L'avantage d'être en réseau, ça veut dire que si vous êtes plusieurs dans la même entreprise, s'il n'y a personne qui utilise la suite CTC, dès que vous activez un outil, elle est utilisée, mais quand vous lâchez l'outil, automatiquement, elle redevient disponible, c'est-à-dire peu importe qui dans l'entreprise qui a la suite d'installer va pouvoir l'utiliser. Good. Le coût approximatif, si je me souviens bien, c'est 550 US la première fois. Et de mémoire, c'est 10 ou 15 % annuellement par la suite, si je me souviens bien. Lawrence? Pour Project Suite. Oui, c'est 5,50 la première année, si on regarde sur le site. C'est 5,50 sur le site.
et US. Et par la suite, chaque année, je crois que c'est un 10% ou un 15% pour maintenir la suite, si je me souviens bien, pour avoir toutes les autres années. Est-ce que je me trompe? Je check ça maintenant. BIM Project Suite canadien, 540 $ par licence standalone. Ou en réseau pour environ 1 000 $, 1 080. Et je crois, et annuellement, il y a une subscription par la suite que tu dois payer, je crois, chaque année, si je me trompe. Mais il me semble de mémoire, c'est 10 à 15 %. Oui, environ ça, exact. 150 $ environ. Amber, Marc, Rock, est-ce que vous avez d'autres questions? Où pouvons-nous aller pour avoir plus d'informations sur ces outils? Et pour avoir plus d'informations, encore une fois, vous pouvez, nous, on a des démos et on a aussi des webinaires sur ça. Il y a aussi sur le site de CTC, si vous êtes anglophone. Et aussi, il y a un YouTube channel qui explique pas mal ça. C'est-à-dire, quand vous cliquez sur un outil, exemple, je fais CheatLink, ici, il y a notre ami Sean Zutterberg qui va partir ça. Si tu pars ça, il va te faire une petite démo et comment ça fonctionne en tant que tel, ce produit-là. Si tu le pars, Revit, je there's juste, random tabs that. il va avoir des démos, il va t'expliquer comment ça fonctionne et comment les utiliser là, en tant que tel ici. Et Like, we're si gonna tu do s'en some vas sur son basic, YouTube channel, do some basic juste le and fermer, bien, vous voyez ici, si vous allez sur le channel de CTC, mais en anglais, il y a ça. Et nous aussi, on a notre propre channel pour être capable d'avoir certaines des informations s'ils ne sont pas disponibles ici. Kisan, peux-tu nous montrer aussi rapidement dans Revit, quand tu utilises les outils CTC, il y a aussi les vidéos d'information, si je ne me trompe pas? Oui, mais ces vidéos d'information-là en tant que telles, si tu regardes dans le CTC ici, quand je reviens ici, ces vidéos-là, ils vont vous amener à cet endroit-là. Si on veut chercher de l'information dans le Suite Settings, il y a nos licences, il y a les vos licences, mais vous avez le Help ici. Ils vont Exactement, vous exactement. amener là, ou, je vais sortir, ici, quand tu cliques sur un élément. À l'intérieur de ça, il y a toujours il y a l'aide générale que vous voyez ici, ou il y a ici à l'intérieur le help de votre produit. Et si tu veux, ici, Invisible Advisor, tu pars la vidéo qui va t'amener au YouTube channel qui va t'expliquer comment fonctionne le produit. Ça, c'est excellent. Et un mot, lui aussi, c'est un outil qui est très intéressant pour les personnes qui débutent dans Revit. Mais qu'est-ce qui est frustrant au début, c'est pas ça. Ne pas comprendre et connaître pourquoi les éléments sont cachés, sont invisibles dans cette vue-là. Mais cet outil-là va vous permettre de chercher l'outil ou de chercher votre famille et vous expliquer, il va vous rallumer et vous expliquer pourquoi cette famille-là est non visible à l'intérieur de votre projet Revit. Est-ce que le logiciel est disponible en français? Non, actuellement, le logiciel est disponible en anglais seulement. Sauf s'il y a eu changement dernièrement que j'ai pas eu vent. Toutes les commandes sont en anglais. Mais il fonctionne même à l'intérieur d'un Revit en français. C'est-à-dire, si je pars un Revit en français, si je pars ici sur mon poste de travail, et je fais ici sur mon desktop, et je pars un Revit en français. Même si je pars un Revit en français, l'outil CT Software va fonctionner aussi. Charge mon complément.
Une fois que c'est là, vous allez voir ici l'onglet apparaître et qui va être utilisable par la suite. Maintenant que ça charge, est-ce que je peux répondre à d'autres questions? C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Oui. Et on va faire d'autres webinaires sur d'autres produits si vous avez de l'intérêt. Vous voulez avoir d'autres informations sur d'autres produits CTC, mais écrivez-nous et on va faire des webinaires sur ces produits-là pour vous informer dessus. As-tu aussi, Kisan, as-tu un slide qui montre tes coordonnées, tes contacts? Mes contacts à moi? Oui. Je vais juste le mettre ici. Ici, si vous pouvez me contacter. Ici, vous avez mon courrier électronique ici. Excellent. kyson.nd@commercialsalit4.ca pour m'écrire. Ou vous pouvez aussi écrire à Lawrence pour toute question. Alors, avec ça, merci beaucoup à tous. Et c'est ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre et il nous fera plaisir. Bonne journée à tout le monde. Merci, merci d'avoir été présent. Merci, au revoir. Au revoir.